je m'intéressais à l'époque à la précarisation des classes populaires. Mais donc c'était un vaste sujet qui était en discussion dans des franges un peu marginales de l'université à l'époque. Sachant que ce qui m'intéressait, c'était à la fois la précarisation des questions d'emploi, prises sous le biais emploi, donc tout ce qui était CDD, tout ce qui était stage, toutes ces questions, comment en fait on détricotait les droits des salariés au niveau de l'emploi, au niveau de la protection de l'emploi, au niveau des droits salariaux, mais également précarisation du travail, et notamment les questions de la santé, puisque Béatrice Appet et Anité Bomoni, qui étaient les deux grandes locomotives sur ces questions-là, avaient mis la santé au cœur de leur travail d'analyse de la précarisation. Donc en fait, il fallait tenir toutes ces questions, c'était extrêmement compliqué, mais c'était extrêmement intéressant aussi. Et à l'époque, au niveau académique, c'était assez compliqué de mener ces discussions-là, parce qu'on était, on était pris un peu dans des tirs croisés un petit peu compliqués avec certains chercheurs. Je continue à travailler sur des questions scientifiques de sociologie. Et un jour, se présente une discussion sur les femmes éboueurs. Tu as travaillé pendant des années sur les éboueurs. Je continue à travailler sur les éboueurs, en fait. Mais le premier contact, c'est avec une personne qui travaille à la mairie de Paris, une femme qui travaille à la mairie de Paris. On discute, moi je trouve ça assez intéressant. Je vais regarder s'il existe des choses sur ces questions. Un, sur les éboueurs, il n'y a déjà pas grand-chose, et sur les femmes éboueurs, il n'y a rien du tout. Donc, on connaît l'appétence, on connaît le goût pour les objets qui ne sont pas encore étudiés, puisque ça nous permet peut-être tout d'un coup de faire une percée dans les connaissances. Et donc, je décide de creuser. Pareil, je vais vite. Cette personne me met en contact avec la mairie de Paris. Je fais un terrain qui se passe de manière extrêmement chaotique, puisque je fais une observation participante incognito, semi-incognito. Donc, terrain extrêmement intéressant, extrêmement riche. Un métier passionnant du point de vue... déjà du point de vue de l'agir. C'est-à-dire, en termes de travailler, c'est riche. C'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué, extrêmement dur. Et bien évidemment, après, en termes scientifiques, ça ouvre sur un champ de questionnement qui est ultra large, ultra complexe. Là, depuis 2007, c'est le sujet, c'est le champ sur lequel je travaille le plus. Alors, notamment grâce à Delphine Cortel, que j'ai rencontrée au moment où j'ai fait le terrain, et Christophe Dejour, puisque c'est là où j'ai commencé réellement à m'intéresser à la psychodynamique du travail de façon très précise. C'est quand Dejour accepte de me recevoir pour discuter du premier projet que je voulais monter, parce que je voulais essayer d'avoir un financement. Donc je lui ai demandé s'il accepterait de me suivre, parce que je voulais travailler sur les questions des défenses et ces questions-là. Pareil, je passe un certain nombre de péripéties. Il accepte de me recevoir au sein du labo, et depuis, je suis resté un membre plus ou moins actif de l'équipe de recherche. Au départ, ce qui m'intéressait, c'était la féminisation du groupe professionnel. C'est comment des femmes arrivent dans un groupe qui est historiquement constitué d'hommes, donc comment des femmes font pour s'intégrer à un métier dit masculin. Et comment elles font pour s'intégrer, comment elles font pour tenir, ou est-ce qu'elles tiennent ou pas, enfin voilà, il y avait toutes ces questions-là. Et après, c'est ce que je disais, le métier des boueurs, en fait, permet d'élargir à la question du déchet, puisque si on commence à s'intéresser au travailler de l'éboueur, la question du déchet, elle se pose de manière centrale, puisque si on ne parle de l'éboueur que sous l'angle... je sais pas moi, des conditions de travail type ergonomique, pousser un conteneur ou courir après une benne, ce genre de choses, c'est certes une dimension importante, mais ça laisse de côté toute la question du dégoût. Comment on prend en charge cette matière qui est une matière très, très spécifique. Nettoyer des déchets...
comme il dit sur le terrain, s'occuper de la merde des autres ou ramasser la merde des autres, c'est pas du tout la même chose que construire un immeuble ou construire une voiture sur une chaîne. Donc il y a vraiment la matière détritique à sa spécificité, que les anthropologues avaient travaillé de leur côté, mais pas sous l'angle du travailler. Et donc, le travailler, bah, qu'est-ce qu'il permet d'amener? Il permet d'amener la question des stratégies de défense. Il y a une chose que j'ai, pour le coup, là, que j'ai vraiment saisie depuis maintenant quelques années, c'est qu'on ne fait pas la place des autres. Ça paraît trivial, hein, de dire ça comme ça, mais c'est vrai que tant qu'on l'expérimente pas, tant qu'on ne le voit pas soi-même, qu'on ne le vit pas soi-même, on peut toujours se dire, bon bah voilà, je vais, grâce à mes connaissances, grâce à mes écrits, je vais pouvoir alimenter la réflexion des autres, ce qui est vrai en partie, puisque j'ai eu un exemple très précis de quelqu'un qui est passé à l'action collective, quand il a lu Les Travailleurs des Déchets, puisque ça a été pour lui le déclenchement du passage à l'acte, on va dire, du passage à l'action, ça a été la lecture. Mais il avait déjà commencé à réfléchir. Il était déjà dans une forme de recherche, ouais, de quête. Il savait qu'il voulait faire quelque chose. Peut-être qu'il tâtonnait encore sur les arguments, enfin, pour se dire, voilà, tiens, c'est ces arguments-là qu'il faut que j'utilise pour... Donc voilà, notre travail, clairement, il sert, il peut servir. Les gens, ils doivent s'en saisir. Maintenant, ça reste relativement passif. C'est-à-dire qu'une fois que moi, le travail actif de aller sur le terrain, rencontrer les gens, les écouter, rediscuter avec eux, discuter avec les collègues, lire, me prendre la tête à écrire, me faire fracasser parce que je fais lire les articles ou parce que je présente des terrains pendant les séances de labo, remettre tout ça... Voilà, une fois que tout ça, c'est fait et que... Le résultat final de ce travail, c'est un article. Ou un rapport. C'est pas moi qui vais obliger les gens à s'en saisir et à en faire quelque chose. Donc là, en fait, il faut être très prudent, très modeste. Prudent parce que déjà, on ne sait pas du tout les effets que ça va pouvoir avoir. C'est-à-dire qu'on aura beau avoir mis toute son honnêteté, toute sa ruse, toutes les ressources qu'on pourrait avoir autour de nous pour éviter de faire de grosses bourdes, y a des moments, sans le vouloir, on va faire des erreurs, et ça peut avoir des impacts, des effets négatifs pour le collectif, notamment en intervention, dont on n'aura pas connaissance sur le moment, et qu'on aura les vagues, les ondes de choc, on les aura plus tard. Donc ça, c'est... Voilà, il faut être prudent. Et donc, du coup, il faut être modeste par rapport à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, on n'est jamais sûr de rien au moment où on se lance dans le travail. Pour moi, le plus important, c'est d'être le plus honnête possible au moment où je me lance dans une intervention. C'est-à-dire que si je pense comprendre, notamment la question de la demande, si je pense comprendre ce qu'on me fait comme demande, s'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement bizarre qui me met mal à l'aise, et que, puisqu'on travaille tout le temps en binôme, et que la personne avec qui je travaille est un peu dans la même logique que moi et a le même ressenti, on y va, on travaille, on discute pendant le travail, on discute avec les gens. La question, c'est d'être honnête, le plus transparent possible, sur la manière dont on s'y prend, les différentes étapes, les doutes, les questions qu'on se pose, à la fois avec le collectif, et puis après avec les collègues en supervision, ce genre de choses. Donc c'est être le plus honnête possible tout le long des différentes étapes, et y compris après quand on revient, quand on fait le retour a posteriori de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a raté potentiellement. Être le plus transparent possible. Déjà, si cette posture-là, elle est respectée, c'est énorme. C'est énorme. C'est clair. Après, ce que les gens, ce que les travailleurs ou les travailleuses pourront en faire, une fois que nous, on aura fait le travail,
validé le rapport, rendu le rapport et quitté le terrain. Voilà, ça va dépendre des... Franchement, ça va dépendre des endroits. Ça va dépendre de la manière dont ils se seront appropriés les choses. Nous aussi, bien évidemment, ça dépendra à ce moment-là de la qualité qu'on aura pu... La qualité de travail qu'on aura pu mettre tout au long des étapes. Mais ça, normalement, on l'aura au moment de la discussion du rapport et de la validation. Si vraiment c'est incompréhensible, si on n'a vraiment rien compris, que le rapport il est mal écrit, etc., quand on a 10 personnes en face de nous, généralement, ils se gênent pas pour nous le dire. Enfin là, faut être pour ça aussi la modestie. Hein. On est quand même face à des organisations du travail qui sont, on le sait, qui sont extrêmement délétères, extrêmement agressives. C'est quand même des rouleaux compresseurs. Si quelqu'un avait la solution à ces questions-là, depuis le temps, on le saurait. Si c'était simple, on le saurait. C'est-à-dire que même collectivement, avec les gens qui réfléchissent sur ces questions-là, on n'arrive pas à proposer quelque chose pour l'instant de consistant du point de vue et de la pensée et de l'action. On n'y arrive pas. Donc même si c'est consistant en idée, en théorie, sur le papier, en tout cas, ça n'a aucun effet du point de vue pratique. Donc si ça n'a aucun effet du point de vue pratique, c'est qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à attraper, quoi. Un chaînon qui manque quelque part. Donc c'est pour ça, là aussi, je suis très modeste. Et parfois ça arrive. Ça arrive parfois, mais c'est pas... c'est parce que dans la configuration donnée, il y avait tous les éléments qui faisaient que ça s'est bien emboîté et que les gens qui étaient là sur le terrain à ce moment-là, ils ont été capables de les attraper parce qu'ils ont eu les ressources, les nôtres, mais sans doute d'autres. Ils ont eu ces ressources-là. Leur collectif a sans doute été à ce moment-là suffisamment costaud pour pouvoir se saisir de ces questions et de créer quelque chose justement de pertinent et de suffisamment solide à opposer à ce qu'il y avait en place à ce moment-là, et à emporter le morceau, au moins sur un périmètre, peut-être en se planquant, enfin voilà. Mais c'est des choses qui sont très localisées, généralement qui sont pas reproductibles, donc il faut rester... Alors, c'est aussi sans doute des questions qui mériteraient d'être analysées de manière plus précise, par nous ou par d'autres, parce que c'est vrai qu'on intervient plus dans des moments où ça va pas bien, et du coup on est plus connu sur le versant souffrance pathogène que la transformation de la souffrance en plaisir. Mmh. Ce qui fait qu'aussi, je pense que l'une des lectures, peut-être pas dans le monde académique, mais chez certains praticiens, il y a peut-être une tendance à penser que la psychodynamique, c'est la souffrance, et que la souffrance, c'est uniquement la souffrance pathogène. Il y a une erreur de lecture qui est très répandue, flagrante, et malheureusement, c'est pareil, ça, on a du mal à leur faire entendre que... Non, la souffrance pathogène, c'est un des destins possibles. C'est pas... C'est pas les seuls. Donc, il faudrait sans doute qu'on travaille plus sur ces petits endroits où ça fonctionne bien, où on a réussi à subvertir... la souffrance ou la souffrance pathogène en plaisir, et que ça fonctionne sur la durée, surtout sur la durée. Mais ça, c'est un chantier collectif en fait. De ce que j'ai compris, déjà, c'est des professionnels qui maîtrisent les règles de métier de manière très bonne, qui savent en discuter, qui savent ne pas être d'accord, mais qui savent ne pas exploser quand ils sont pas d'accord. Donc ils arrivent quand même à trouver des espaces de délibération, ils arrivent à trouver des consensus, y compris quand ils sont pas d'accord au départ, et ils arrivent à, si j'ai bien compris, à ce que les consensus autour de la table soient transposés après dans les pratiques, ce qui est aussi... Parce que c'est bien de se mettre d'accord, c'est-à-dire oui, je suis d'accord, puis après continuer. Visiblement, ça permet de faire évoluer les pratiques. Visiblement, c'est aussi des gens qui ont compris que c'est pas parce que
on est en coopération horizontale entre gens de statut ou entre gens de même métier, et que entre gens de même métier, qu'on va réussir à bien travailler. Il faut prendre aussi en compte tout ce qui se passe autour. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est un chercheur, il y a tout ça, il y a tous les collègues, machin, sinon on fait pas les articles, on les publie pas. Là, c'est pareil. Eux, ils sont dans cette chose-là. Ils ont compris que pour faire leur travail correctement, ils ont besoin de personnes qui sont dans les services administratifs, qui leur permettent de rattraper des boulettes que eux-mêmes font à certains moments, alors qu'on pourrait se dire, eux, techniciens sur le terrain, des boulettes récupérées par des administratifs, comment c'est possible ? Ils ont que des administratifs. Voilà, la question se pose, jusqu'où, c'est quoi être un administratif, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un tas d'autres métiers techniques, et jusqu'à y compris des gens qui n'ont pas le même statut et qui sont plus ou moins, des fois, un peu dans des positions d'externalisation, de sous-traitance, enfin, ce genre de choses. Donc il y a une réflexion, mais là aussi il faudrait creuser, une réflexion sur la question de la domination, en fait. C'est-à-dire que comment on arrive à subvertir la domination. Donc là, typiquement, c'est le rapport à l'emploi qui est en cause, puisque externalisation, sous-traitance, on est sur la précarisation de l'emploi par rapport à ces statutaires qui sont, eux, protégés. Mais comment on arrive à prendre cette question-là avec la question de la coopération dans le travail? Donc eux, ils ont réfléchi, et ils font en sorte de ne pas écraser de toute leur connaissance, de tout leur statut, des gens qui sont d'un statut inférieur, en tout cas défavorisés, précarisés, et à se mettre avec eux pour discuter de ce qui compte, c'est-à-dire l'œuvre commune, qui est... On a un travail à faire dans un certain endroit, chacun a des activités particulières, on sait très bien que si on n'en discute pas correctement, le chantier, ça va être une catastrophe, donc on en discute. Et déjà, prendre conscience de ces questions-là, c'est extrêmement important. C'est énorme. Mais ça, donc, c'est au niveau du collectif, on pourrait dire un peu horizontal. Après, il y a un autre phénomène qui est avec leurs responsables. Comme dans toute structure hiérarchique, comme dans beaucoup d'organisations de travail, ils ont un manager. Et visiblement, pour ce qu'on en a compris pour l'instant, ce manager est suffisamment... Donc là, bah, je vais employer des termes différents. Malin. Habile. Je ne sais pas comment le qualifier. En tout cas, lui, il fait en sorte de s'effacer dès que c'est possible. C'est une sorte de facilitateur de la délibération et de la coopération horizontale. Et l'arbitre ? Quand il faut, il est arbitre. Quand il faut, il est arbitre. C'est-à-dire qu'il est capable de trancher, mais s'il est capable de trancher, c'est parce que, bien évidemment, la légitimité, qu'on le sait, lui vient des gens de métier qui lui reconnaissent cette légitimité à trancher, puisque quand il tranche, c'est toujours avec des arguments qui sont en lien avec les activités.